Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. En direct ce matin, nous avons une liaison exclusive avec deux habitants d'une autre planète située dans une autre voie lactée à des millions d'années-lumière de la Terre. Ils ont quelques questions à nous poser. Il faut savoir que la vie humaine est diffusée en prime time et a sa propre chaîne dédiée sur Epsilon 24. Le monde des humains est suivi par près de 84 milliards d'entités à travers l'univers. Aussi, aujourd'hui, Monsieur Green est très heureux de recevoir deux fans incontournables qui souhaitent nous poser quelques questions sur cette curieuse télé-réalité qu'est l'humanité. Fruit and Crod, j'espère que je prononce bien vos noms, bienvenue sous la canopée, nous vous écoutons. Bien évidemment, j'utiliserai un encodeur pour traduire toutes les questions posées. Comment se fait-il que les humains, devant les dangers imminents, n'arrivent pas à trouver de terrain d'accord pour vivre en harmonie? Bonne question. À travers les différents épisodes depuis son apparition, l'humanité a connu des hauts et des bas. Aucun siècle n'a été silencieux de combats ou de guerres. Contrairement à l'animal, l'humain n'est pas coincé dans un cadre physique et intellectuel dans lequel il évolue. Au contraire, celui-ci développe son imagination pour étendre ce cadre. Il peut donc être défini comme une espèce invasive et compte tenu de l'état dans lequel il laisse les lieux, nous pouvons le considérer comme le plus gros prédateur et destructeur de la planète Terre. Il se veut supérieur aux vivants, clamant haut et fort sa capacité intellectuelle et sa faculté de ressentir. Qu'est-ce qui le rend si aveugle à sa dépendance au reste du vivant comme de sa propre espèce? Une fois de plus, l'homme a connu des moments de paix mais qui ont toujours été précédés par la terreur et l'oppression. Il a mis des outils en place pour se prévenir de toute perte de contrôle sur sa propre moralité. Les religions, les philosophies ont toujours essayé d'apporter une réponse universelle sur son origine et son sens. Un bon exemple de ce type d'émanation est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations, considérant que dans la Charte des peuples des Nations Unies proclamée à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, considérant que les États membres se sont engagés à assurer en coopération avec l'Organisation des Nations Unies le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus, tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Voilà une production humaine digne de sens pour vivre en harmonie sur la planète. Pourtant, il ne semble pas suivre cette trajectoire.
effectivement, les épisodes en cours nous montrent qu'au contraire, les inégalités s'amplifient à travers la planète. Ce qui fait défaut à l'homme, c'est une mémoire collective bien vivante. Si nous replacions les humains actuels au temps des grandes guerres, ils envisageraient certainement d'y remédier, mais aujourd'hui, l'humanité n'en est plus là. L'évolution du système de croyance l'a amené à vénérer une divinité stérile, l'argent. Dès son plus jeune âge, nous lui apprenons à se différencier de l'autre et à se sentir unique. L'autre est perçu comme un rival qu'il faut soit combattre, soit dépasser pour pouvoir prétendre à une vie financièrement acceptable et ancrée dans le récit ambiant. C'est bel et bien sur l'autel de l'argent que l'homme renonce chaque jour un peu plus à cette déclaration universelle des droits de l'homme. Il semblerait que le pouvoir qui s'est mis en place au niveau mondial ne respecte pas du tout cette déclaration. C'est vrai, et nous pouvons le blâmer. Mais une partie de l'humanité a choisi de se faciliter la vie au détriment d'autres humains. Les politiques actuelles qui ne respectent pas les principes de cette déclaration corrompent la moralité ambiante. Mais n'est-elle pas déjà corrompue chez les individus, quand ceux-ci préfèrent détourner le regard plutôt que de reconnaître le lourd poids de leur consommation chez d'autres humains, comme chez des enfants? N'est-ce pas une corruption de moralité pour plus de frugalité? Les perturbations engendrées dans ces derniers épisodes que vous avez pu voir sont les symptômes d'une perte abyssale de moralité et donc de confiance, engendrant tensions nationales et internationales. L'humain semble être assez nombriliste, mais dans sa propre histoire, pourquoi a-t-il occulté la préservation de son habitat? Il s'agit encore d'un développement erroné et mal compris de la réalité. Au temps des philosophes et des Lumières, l'idée est venue que l'environnement n'était qu'au service de l'homme. Et il est vrai que la nature nous nourrit, nous fournit beaucoup de matériaux, nous abrite, et il semble que la création de tout ce qui nous entoure soit générée dans ce sens. Mais goinfre comme il est, l'homme n'a pas su s'arrêter et remarquer rapidement que sa consommation exponentielle contribuait à la destruction irrémédiable de son habitat. Vous êtes à l'épisode 2020.0 et il manque, c'est vrai, une reconnaissance du vivant pour sa protection immédiate et urgente. Des nouveaux mots voient le jour dans le vocabulaire humain, comme écocide ou une destruction programmée de l'environnement qui n'est plus compatible avec la vie terrestre. Les choses bougent et évoluent, mais le temps cognitif humain n'est pas celui du climat et de la biodiversité. Les humains ont pourtant des guides à suivre, comme les peuples premiers, une mémoire ancestrale et collective, mais ils ont tellement placé haut leur déconnexion au vivant qu'ils ne perçoivent plus intuitivement le coup de poignard qui devrait être ressenti à chaque coup de hache dans un arbre, à chaque cerf lâchement tué, à chaque méga-projet inutile monté. Ils ne ressentent plus, ils sont saturés d'émotions en continu, alors quoi de mieux que de se libérer la tête avec de la consommation ou de la peur? C'est terrible. Ils sont confrontés à différents types d'effondrements interconnectés. Et ils n'arrivent pas à construire les mêmes connexions nécessaires entre les humains pour se sauver eux-mêmes. Vous me posez cette question pour savoir si vous êtes arrivé au dénouement de la série. Je vous rassure, il reste encore quelques épisodes. Quand vous regardez l'humanité de votre poste de télévision, vous observez des milliers de fourmis, certes beaucoup moins bien organisées. C'est certainement dû à cette satanée faculté de penser, mais c'est aussi par elle que l'humain peut prétendre trouver des solutions. Oui, le naufrage a commencé, mais l'histoire n'est pas finie. Aussi, merci à vous pour ce temps partagé et l'intérêt que vous portez à la série Le Monde des Humains. Peut-être à une prochaine fois, et merci. Merci à vous, et promettez-nous de nombreux nouveaux épisodes. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, 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 tu vois, alors tu vois le green, green absolu. Green, green, green.